L'entreprise Faya a été vraiment d'un très très bon niveau, tant du point de vue de son engagement que de la capacité qu'elle a eue à coordonner l'ensemble des corps d'État. Ça a été un travail itératif et je dois dire que là vraiment on pouvait voir de façon très claire à quel point l'architecture est un travail d'équipe. Parce qu'il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a un maître d'ouvrage qui a été très important aussi, qui facilitait la relation, la fluidité des relations entre tout le monde, et puis l'entreprise, avec ses capacités techniques, son envie de faire le projet, surtout, et ça a été un beau moment. Voilà, il y a des projets comme ça où on peut prendre du plaisir à construire et à laisser un bâtiment dont je pense en tous les cas le ministère est content. On avait déjà perdu du temps avec la première consultation, donc ça c'était un engagement. Et le fait de passer en entreprise générale, ça nous garantissait d'être sur cet objectif. D'avoir un confort, c'est-à-dire avoir un seul interlocuteur, à savoir Faya, plutôt que d'avoir une multitude d'entreprises quand on est en macro-lot ou en lot séparé. Et ensuite, c'était aussi de pouvoir faire évoluer le programme qui était relativement ancien. Thank you.